Choucrouloute, ici Loupina pour le test du nouveau kit qui vient de sortir. Je suis grave à la ramasse puisque tout le monde l'a déjà fait. Mais hier soir, j'étais pas en état avec 39 de fièvre. C'était pas top. Donc, on va voir les nouveautés déjà, les vêtements, les coiffures et tout le bazar. Ah ok, déjà j'adore. J'adore ma chérie, tu es magnifique. Non, on va pas faire ça. Moi j'aime bien. Alors oui, j'ai mis tout ce qui est masculin et féminin, j'ai tout mis dans le même tas, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Oh, elle est trop kiki. Bon, on va peut-être regarder les autres. Ça c'est sympa aussi. Ouais. Et je trouve qu'ils ont progressé niveau coiffure. C'est cool qu'il y ait enfin un kit sur les enfants, parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas grand-chose, les pauvres gosses. Ah, ça doit être une coupe de petits mecs, je pense, mais ça va aussi aux filles, je trouve. Oh, c'est joli. Et ça, Mouton. Il y avait un mec dans mon collège qui s'appelait Mouton. Bon, je suis désolée si je suis un petit peu molle, c'est la reprise de sa première vidéo que je fais depuis que je suis rentrée, n'est-ce pas? Et du coup, je suis pas très vive. Alors, il n'y a pas de chapeau, comme ça c'est fait. Il n'y a pas d'accessoires. Allez, bim, il n'y a pas de maquillage. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Alors, en haut. Ah oui, quand même, il y a pas mal de trucs. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre. Mouais. C'est pas mon haut préféré. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a vraiment des gens qui habillent leurs enfants comme ça ou comment ça se passe? Je suis pas fan non plus. C'est bizarre. Bon, admettons. Ça, un joli petit dégradé. Ouais, ça passe. J'ai cliqué sur le truc à côté. Ça passe. Mouais. Une petite chemise. Un pull. Ah mais c'est chelou leur truc là. Pourquoi ils... Ça me perturbe. Ça me perturbe ça. Ça fait genre on n'avait pas assez de tissu alors... on en a mis un autre. Ok. Un pull. Ça peut être bien. Zut, j'ai cliqué à côté. J'ai fait n'importe quoi les mecs. Oh my god. Enlève tes mains. Oh ce que c'est beau. Évidemment, il y a un chat, donc je kiffe. Ça, ouais, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs pour les petits garçons que pour les petites filles. Enfin, si on reste dans le garçon-fille, évidemment. Vu que maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut à n'importe qui. Ouais, ça va. C'est un skater, un truc comme ça. Ça va, ça va. Ça, c'est bizarre. On dirait un peu le signe de Superman, mais pas vraiment. Voilà, c'était le commentaire utile. Lol. Mais ce truc est trop mignon. Le temps que ça monte au cerveau, vous savez, gné. Mais c'est trop chou ce machin. What the fuck, on dirait pédobire. Bon, je... Non, je n'ai pas dit ça. N'allez pas voir sur internet ce que c'est, s'il vous plaît. Ouais. Boarf. Oh, une girafe. C'est bien ça. Si Squeezie joue aux Sims, il pourra apprendre à dessiner des girafes. Le pauvre. Un chat avec une guitare. Mais oui, c'est clair. Oh, un lama. Ça, c'est bien. Oh oui, The Lama. C'est qui celui-là? Ça doit être l'idole des enfants Sims. C'est Justin Bieber.
Oh mon Dieu, ce chien. Et je voudrais pas dire, ils ont mis plein d'animaux. Est-ce que ce serait pas par hasard un petit clin d'œil, genre, vous aurez bientôt les animaux? L'espoir fait vivre. Lol. Alors, bah du coup, il y avait pas mal de hauts. Pas grand-chose qui me plaît au final, mais bon, j'ai un peu des goûts particuliers. Voyons voir ce truc. Oula. Est-ce que il y a mes pas en rose? Et voilà, c'est mieux. Mon Dieu, le rose. Oula. Spécial. Ouais, mais sinon j'aime bien cet effet un peu déchiré là. Oh mon Dieu, ce que c'est moche. J'aime pas le rose. Je n'aime pas le rose. Voilà, en violet, c'est parfait. Une petite jupe. Oh, elle est mignonne. J'aime bien la jupe. Non, je ne mettrai pas de rose. Il y a pas mal de couleurs, hein. Dites donc. Dindonc, mine de rien. Et ce Jean. Ce super Jean. Je suis pas sûre que ce soit un jean, mais bon, ce pantalon. Ouais. Ouais, pas mal. En chaussures, il n'y a que ça en chaussures. Eh, mais on est pauvre des chaussures, c'est ouf, quoi. Bon, par contre, il y a plein de couleurs, mais. C'est vraiment dommage, hein. Je trouve qu'ils font pas assez de. Je me crache dessus, c'est génial. Je trouve qu'ils font pas assez de couleurs dans. De couleurs. De chaussures dans les packs. Il n'y a jamais assez de chaussures. Bon, bah, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait les corps entiers. Alors, il y a ça. Ouais, je suis pas fan. Ça. Ouais, je suis pas fan non plus. Ah, la meuf trop difficile. Ce truc-là. Oh my god. C'est moche. J'aime pas. Bon, du coup, je vais mettre un truc que j'aime bien, donc le chat nucléaire là, et cette jupe qui est, ah non, ça ne va pas du tout ensemble, mais alors pas du tout. Du coup, le lama, voilà, c'est mieux. Et une autre coiffure, s'il vous plaît. Voilà. Ou celle-là, elle est bien aussi. Bon bah du coup on a fait le tour des vêtements du créer un Sims, donc je vous retrouve dans les objets. Re les choucrouloutes, donc je suis en train de vérifier, apparemment il n'y a pas de porte, de sol ou même de papier peint ou quoi que ce soit dans ce kit, donc je pense que ce ne sont que des objets, alors on va voir ça tout de suite. Voyons voir. Alors, des petites étagères alvéoles. Ah, c'est sympa ça. Du coup, on peut mettre des trucs dessus, j'espère. Oh, trop beau. Est-ce que ce serait pas une référence à créatures surnaturelles? La meuf qui voit des signes partout, tu sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est des stickers. On dirait un Pokémon. Ah, mais non, je sais. C'est en fait, apparemment, il y a un système. Donc, il n'y a que ça. D'accord. Des créatures virtuelles là dans, voilà, bah c'est ça, créatures du vide. En fait, dans la machine à jouer là, la espèce de grosse Game Boy, les créatures du vide et on peut en faire collection. Ah d'accord, il y a plein de, d'accord. Oh putain, il y en a beaucoup alors. Attendez, je vais toutes les mettre. Mon Dieu, ce c'est un cochon castor, on est d'accord. Tout va bien. Lourd. Du coup, là, j'ai tout mis. Toi, oh, il est beau. Oh, il est trop beau, lui. Élément du vent, d'accord. Ok. Et du coup, c'était quoi cela? Élément de la terre, élément du feu. Oh, il est trop beau! Le petit renard! Oh my god, c'est quoi ce truc qu'on dirait? Un poisson de feu. C'est concept. C'est concept. Enfin, moi je vois un poisson, vous, je sais pas ce que vous voyez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, pourquoi pas. Et ça, du coup, et c'est quoi? J'ai pas vu le type. Élément du vide.
Ok. Est-ce que ça peut vraiment être un élément, le vide, vu que c'est vide? Oh, il est mignon! Élément de l'eau. Eh, mais il y en a beaucoup, hein. Et apparemment, on peut toutes les collectionner. Je sais pas trop ce que ça apporte aux gosses, mais bon, pourquoi pas. Oh, mon Dieu, un mouton. Un yak. Ah non, c'est un yak ornithorynque. What the fuck? Une otarie licorne. Lol. Bah, ça fait beaucoup de créatures, hein. Et le mur bug complètement. Oui. La lumière, une crise d'épilepsie du mur. Une petite étagère. Voyons voir. Ah, elle est mignonne. 3 heures après. Ah, puis il y a plein de couleurs en plus. Ah, et ça change le cadre. Waouh! Et franchement, je pense qu'il y aura moyen de faire des belles chambres avec ça. Un paravent. Est-ce qu'il y a d'autres couleurs? Ah ouais. Ah, ça c'est cool ça. Oh, et ça me fait trop penser au kit comme au cinéma celui-là. Alors ça, je kiffe. Ça, je kiffe de ouf. Et du coup, il y a plein de couleurs donc on peut changer. Donc c'est des photos différentes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Gné. À moins que ce soit juste le fil qui change. Ah oui, c'est juste le fil qui change. Et en fait, il y a deux paires de photos. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, il y a deux photos différentes. Bah, je vais vous montrer. Non, ça c'est le même. Voilà. Donc, il y a soit ces photos-là, soit ces photos-là. Et ensuite, c'est la couleur du fil qui change. Ok. Bah, c'est déjà bien. Oh ah, et eux, ils sont trop beaux. Est-ce que, du coup, ils éclairent dans la nuit ou pas? C'est trop beau. Ah, mais il en faut peu pour être heureux, les amis. Hein. Eh, mais c'est trop joli. J'adore. J'adore le Roquefort. Non, en vrai, j'adore. C'est trop beau. Ils sont trop mignons. Bon, du coup, on remet en jour, s'il vous plaît. On va aller de l'autre côté. On jour bien. Voilà. Ça aussi, c'est beau. Il y a des beaux cadres. Hein. Du coup, il y a plein de choix. C'est bien ça. Ah, ça fait plaisir. Ça fait zizir, comme on dit dans mon live. D'ailleurs, pendant que je vous tiens, il y aura un live samedi. Voilà, on s'en fout. Ah là là. Bah, je crois qu'on les a tous faits là. Oui, on les a tous faits. Bah, c'est beau. Moi, j'aime bien. Et ça alors? Maillot du FC. Oh non, pitié, pas du foot. Oh. Oh. Non, mais non. Mais non. Bon, bah tant pis, hein. Je suppose qu'il y en a qui aiment, alors. Bon. Chacun ses goûts. Oh, c'est rigolo, on dirait un Transformers. Je sais pas pourquoi ça m'évoque un Transformers. Ah, c'est pour des petites filles! Lol! Ah, ça, c'est son. Ah, son créature du vide, ça. Waouh! Les créatures du vide. Il y a plein de trucs. Il y a plein de décos à accrocher. Donc, c'est pas mal. Sur quoi j'ai pas cliqué encore? Ça. Encore un sticker! Ah, bah tiens. Le voilà, le Transformers. Donc là, c'est juste la couleur qui change. Ah non, il y en a un qui a une autre position. Ouais! Trop bien! Et du coup, j'ai pas vu les autres couleurs des alvéoles là. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres posters? Ah oui, il y en a plein aussi de ça. Oh, c'est Elsa. N'importe quoi. Eh, mais franchement, les fées, les animaux. Va y avoir de ces rumeurs. Ah non, c'est les déguisements dans le pack d'Halloween, ça, je crois. Celle-là, on l'a déjà vue. Ouais, c'est la même, du coup. Encore une petite fée.
Celle-là, on les a déjà mis. Ça, j'ai déjà mis. Ça. Et celui-là. Ok, le truc qui a rien à voir, c'est toujours des gens. Et là, tout d'un coup, des espèces de hamsters mutants. Tout va bien. Tout est normal. Une peluche. Donc, c'est toujours la même. Ah non, elle n'a pas la même tête. Regardez la orange là. Elles font un peu peur hein, quand même. Moi, je prendrais pas ça comme peluche pour mes gosses. Hein. Oh. Une poubelle. C'est important, les poubelles. Oh, c'est trop mignon, on dirait une coccinelle. On s'en fout. Aïe, aïe, aïe. Des horloges. Qui a pas mal de couleurs. Oula, ça fait très, très psychédélique tout ça. Un miroir. Oh, il est mignon le miroir avec les petites fleurs. Ah, c'est tellement romantique. Ah, du coup, il y a plein de petits stickers. Alors, fais voir le lit. C'est dommage, ils ont mis que un seul lit. Enfin, un seul lit, il y a plein de couleurs, donc ça, c'est bien. Oh, celui-là, il est beau. Ah, j'avais pas vu, il y avait des tiroirs en dessous. Il y a des tiroirs en dessous, pardon. Oh my god, c'est très le rose tout ça. Blablabla. Blablabla. Celui-là, il est joli. Et bref, on va pas mettre tous les lits. Il y a un bureau avec plusieurs couleurs. Ouais, je pourrais faire ça irait plus vite. Sympa, sympa le bureau. Un petit fauteuil. Le petit fauteuil. C'est quoi ça? Chacun des hippopotamans. C'est quoi une hippopotamane? Et garantie à vie, d'accord? Pour s'assurer. Mais c'est une armoire, c'est. Ça sert à quoi? Gna gna gna. Bon, bah, je sais pas trop à quoi ça sert. Ils peuvent s'asseoir dessus, non? Mystère. Gros mystère de la vie. Un fauteuil. Donc, ça, les couleurs classiques. Ça, c'est bien, ça. Oh, j'avais pas vu celui-là. Un miroir. Miroir magique au mur. Hop. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Ah, j'avais pas vu lui aussi. Une petite figurine. Bah, ce sont les figurines des stickers Transformers, là, non? Ça y ressemble en tout cas. Ah, voilà un meuble téléviseur, d'accord. Il y a pas mal de couleurs, donc ça c'est pas mal. Les répétitions. Elle est jolie la bibliothèque là. Oh, c'est bien ça. Ah, une autre bibliothèque. Ah, c'est bien, on peut faire des assemblages. La meuf qui découvre la vie. C'est sympa, moi j'aime bien. Oh, dommage, on peut pas le coller. Non, oh, énorme. C'est trop mignon. Alors, une malle de voyage. Et apparemment, il y a eu, avec une mise à jour, il y a un monstre sous le lit maintenant. Alors, apparemment, il y avait déjà ça dans les Sims 3. Je ne le savais pas du tout. Je crois que j'avais jamais tilté. Le théâtre de marionnettes. Joli aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Éclairage. On ne peut pas croiser d'autres objets. C'est une petite lampe, ça? Faut croire, attends. Ah bah oui, une petite lampe fusée. Et du coup, ça qu'on ne pourra pas mettre. Je vais essayer de les mettre quand même. La meuf qui ne sait pas faire
Loul. Hop. Ah, c'est sympa. J'aime bien aussi. Alors, je suis désolée, j'ai du mal à mettre beaucoup d'émotions parce que j'ai la tête dans les fesses. L'hôpital, ça m'a pas soignée, enfin, ça m'a pas aidée dans ma tête. Et du coup, voilà. Donc, pensez pas que je suis amorphe. Enfin, si, en fait, je suis un peu amorphe. Et je l'ai pas mis le truc là, l'espèce de console de jeu là. Elle est où? Mal de voyage, elle était là. Ah, elle est là. Voilà. Donc, c'est ça le truc pour jouer avec les créatures fantastiques, machin. Donc, oui, je manque un petit peu d'énergie. Je suis désolée pour ça, les amis. J'espère que ça ira mieux dans les prochaines vidéos. En plus, comme je vous ai dit, avec la fatigue, j'ai de la fièvre, donc ça m'aide pas. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Il y a quand même pas mal d'objets dans ce kit. Enfin, c'est pas tant qu'il y en ait beaucoup, mais il y a pas mal de couleurs, donc il y a moyen de faire des trucs sympas, je pense. J'en ai pas oublié un là-dedans. Donc, il y a moyen de faire des trucs très très sympa. Niveau vêtements, il y a quand même quelques trucs. Bon, il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai, c'est dommage et ça manque de chaussures. Mais bon. Et niveau gameplay, bah, je pense que je vais pas faire un test dessus. Donc, on verra ça dans mes let's play en jeu. On verra tout ça. Voilà, j'espère quand même que ça vous a plu. Je suis désolée pour le retard et pour mon manque de dynamisme, mais je vous aime quand même. Je vous fais des bisous et salut!